10 minutes de cardio aérobique niveau facile pour tout le monde, c'est dans cette vidéo. Salut, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. J'espère que vous êtes en super forme et que vous êtes motivé pour faire du cardio. Alors attention, on va pas s'évanouir, on ne va pas mourir de fatigue dans cette séance. Si vous n'avez jamais fait de sport, si vous souhaitez reprendre, si vous manquez de confiance en vous et si vous vous dites que c'est peut-être pas pour vous, que vous n'êtes pas sûr, que vous n'allez pas y arriver, vous en faites pas, vous êtes au bon endroit. Avec moi, vous allez y arriver avec cette séance, juste 10 minutes. Ok, 10 minutes de cardio, je dirais facile parce qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de grande amplitude. Donc c'est vraiment une séance qui va vous mettre en confiance. Que vous ayez 50 kilos en trop, même plus, vous pouvez faire cette séance. Vous avez plus de 60 ans, plus de 70 ans, ou alors ça fait peut-être 30 ans que vous n'avez pas fait de sport, ou alors simplement vous n'en avez jamais fait de votre vie et vous vous dites « mais par quoi je peux commencer ?» parce qu'il faut bien que je commence un jour, j'en ai besoin. Eh bien là, vous allez y arriver, d'accord? Alors vous êtes chez vous, c'est idéal, il n'y a personne pour vous embêter, j'ai envie de vous dire. Il faut juste avoir une paire de baskets, donc si vous avez des chaussures de sport avec une semelle quand même, avec un amorti, hein, c'est toujours mieux que de mettre des petites, si vous avez des petites sandales ou des Converse ou des chaussons, je ne vous conseille pas. Mettez vraiment des baskets, ok? Prenez une bouteille d'eau, mettez-la sur le côté. Si vous êtes une femme, prenez une brassière de sport pour bien maintenir votre poitrine. Buvez un petit peu avant de commencer. Vous allez juste faire donc 10 minutes de cardio, ça va faire énormément de bien à votre cœur. Et si vous le faites régulièrement, vous allez perdre du gras, vous allez améliorer votre santé, avoir un meilleur sommeil, une meilleure énergie, être plus positif dans la vie en général. Voilà, je vous encourage à faire du sport tous les jours. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jessica Mellet, je suis coach de fitness diplômée d'État depuis longtemps, mais je suis là pour vous sur YouTube et pour vous donner goût à l'activité sportive, pour vous donner goût à vous tenir en bonne santé et en super forme. Alors, je vais mettre le chrono parce que 10 minutes, c'est promis, c'est juste 10 minutes. Je voulais vous donner des conseils supplémentaires. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, donc sachez que si vous voulez perdre du poids, du gras, être en forme, il ne s'agit pas seulement de faire du sport, il faut aussi bien manger. Et il n'y a pas que l'alimentation, il y a l'hygiène de vie, l'environnement en général. Et pour ça, j'ai écrit 10 conseils pour être au top physiquement. Et si vous les voulez, vous pouvez les recevoir gratuitement chez vous dans votre boîte mail. Donc, cliquez sur la petite flèche où c'est marqué description juste en dessous de la vidéo. Vous appuyez sur description. Il va y avoir écrit mes 10 conseils pour être au top physiquement. Là, vous cliquez dessus et dans votre boîte mail, vous allez recevoir ces conseils-là. Appliquez-les, même si vous ne les appliquez pas tous au début, ce n'est pas grave. Appliquez-les au fur et à mesure que vous les acceptez, que vous aimez ça et vous vous rendrez compte que ça va changer pas mal de choses dans votre vie. Vous repenserez à moi ensuite. C'est parti! Alors, on boit un petit coup et je mets le chrono. Hop, la bouteille d'eau. On boit un petit coup, puis on y va. C'est parti, on écarte ses pieds, on rentre son ventre, on engage son périnée, piouf, on engage le périnée, donc on contracte au niveau de l'intimité. Ah ouais, je démarre très fort, hein, je n'y vais pas par quatre chemins. Hop, on rentre le ventre, on inspire par le nez, on se grandit au maximum, ça fait du bien au dos, on devrait le faire plus souvent. Et on souffle, encore une fois, inspirez. Grandissez, essoufflez, relâchez, ça va? Très bien, enroulez vos épaules un peu, tranquillement, tranquillement. On va s'échauffer, on va faire nos 10 minutes de cardio, tranquille. Tout va faire 10 minutes, tout va faire 10 minutes. Faites un petit peu un étirement du dos, vous rentrez les fesses, ok? Vous poussez loin devant avec les mains et loin derrière avec le dos rond, vous rentrez la tête et les fesses. On descend tout en bas, ça vous tire, mais c'est normal, c'est pas grave, gardez les jambes pliées, déroulez le dos. Déroulez le dos. Ok, tranquillement, on va lever les genoux ici. Alors, on n'est pas du tout obligé d'être synchro, vous et moi. Vous pouvez aller plus vite, vous pouvez aller plus lentement. Il faut juste faire ce mouvement-là pour l'instant, d'accord? Donc, il faut monter le genou, on va dire, le plus haut possible. Alors, si vous pouvez monter le genou jusqu'aux oreilles, c'est tant mieux, allez-y. Et s'il monte moins haut, s'il monte là, c'est pas grave. Moi, ce que je me contente, c'est que vous, vous fassiez du sport là, tout de suite avec moi, plutôt que d'être sur le canapé ou même allongé. Hein, d'accord? Donc, on y va, c'est parti, ta-ta-ta, on lève les genoux. Et moi, je suis là pour que vous restiez là et que vous alliez au bout de ces 10 minutes, ok? Ça peut être un petit peu fatigant si vous n'êtes pas habitué à vous bouger. Je suis d'accord avec vous. Ne vous concentrez pas trop sur le mouvement, sinon vous allez faire des petites apnées inconsciemment et du coup vous aurez un point de côté. Ah, ce serait dommage. Alors, soufflez de temps en temps si vous sentez que vous avez
voilà, la respiration qui s'accélère un petit peu trop. Hop, on va changer, on va amener le pied à la fesse. Le pied aux fesses, hop là. Les pieds aux fesses, hop. D'un côté et de l'autre. Super. Voilà, ça. Simplement. Ok. Si ça va trop vite, vous ralentissez. Si ça va pas assez vite, vous... vous avez tout compris. Vous faites votre sauce. Pas tout à fait. Je dirais que... il faut vraiment être à l'écoute de son corps. D'accord ? Si vous êtes à l'écoute de votre corps, vous allez progresser. Vous sentirez qu'à un moment donné, si vous avez besoin, si vous avez envie de donner plus, si vous pouvez donner plus, vous le ferez. Mais donnez le temps au temps et laissez-vous le temps de progresser et d'aimer ça. Parce que ça, c'est le plus important. Si vous aimez ça, vous progresserez, vous aurez envie de faire d'autres séances. Si vous n'aimez pas ça, vous n'aurez pas envie de faire d'autres séances et vous ne continuerez pas. Donc vraiment, c'est important de se laisser le temps d'aimer ça. Ok, on va changer de mouvement. On écarte ses pieds, on met les pointes de pied vers l'extérieur. Les petits bouts de pied là, les orteils, oui, les orteils, les vôtres, vers l'extérieur. Jambes un peu pliées, on rentre le ventre toujours. Hein. On plie, on tend les jambes. Voilà. Très, très bien. Ça va, ça? Il faut essayer de rester droit, d'accord? Ne vous penchez pas en avant comme ça. Ah ben oui, il ne s'agit pas de dire bonjour façon asiatique, je dirais, mais plutôt de descendre, comme si on allait sur une chaise. Bon, on ne s'assoit pas trop comme ça sur une chaise, c'est vrai. Allez, on descend, on remonte. Plus vous ferez le mouvement en grand, plus ça va pulser au niveau du cœur. Ce sera cardio, plus vous allez brûler de calories. D'accord ? Plus vous allez vite aussi, et plus, pareil, vous brûlez de calories. Mais il faut le faire grand avant d'aller vite. D'accord ? Allez, continuez ça. Vous pouvez aller beaucoup plus vite que moi. Vous pouvez aussi aller lentement, il n'y a aucun problème. D'accord ? Ce qu'il faut encore une fois, c'est que vous, vous vous dépensiez à fond. Très, très bien. Et on rajoute ici. Et hop, bras en l'air. Bras en l'air. En bas, en l'air. En bas, tac. Super. Hey, vous n'êtes pas bien chez vous là ? Vous faites du sport avec moi et soyez contents, soyez fiers de vous. Personne qui est autour, on s'en fout, on est juste entre nous, ça qui est trop bien. Allez, viens, on va sur le côté. Hop, en bas, hop, et en bas, hop. Et là, vous vous dites, oh, mais j'ai l'air débile à faire ces mouvements. Mais non, on s'en fout, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien aux muscles, c'est pour être en bonne santé. Il n'y a personne qui vous regarde, on s'en fout. On s'en fout, ça fait trop du bien. Et ouais, oh, on aurait dû faire ça plus tôt, c'est sûr. Hein. Mais maintenant, ça y est, on s'est trouvé, on se quitte plus. On va faire du sport tous les jours ensemble. Hop. Allez. Et on va lever la jambe. Et on s'enflamme. On lève la jambe. Youhou. On s'envole. Hop. Envole, envole-moi. Envole-moi. Voilà, j'arrête de chanter. Ok. Ça marche, ça va ça? Ok, on fait des petits pas. On se dirige d'un côté. Et de l'autre. Hop. Et hop, on y va. De l'autre côté. Hop. Encore, hop, hop, hop. Et on est un peu trop haut, on va aller un peu plus bas. Un peu plus bas. Les fesses en arrière. Ta, 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 ta. Et encore un peu plus bas. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Super. On revient un peu plus bas. Ça fait mal aux cuisses, hein? On reprend tout en haut. Oh, ça va mieux. C'est fatigant quand on va en bas. Hein? Très bien. Encore, hop. Respirez, respirez. C'est très bien ce que vous faites. Et on en a déjà fait la moitié, hein, vous vous rendez compte? Un peu plus bas. Un peu plus bas. Ta-da. Mais vous avez rapetissé, dis donc. Et un peu plus bas encore. Hop. Les fesses en arrière. Les fesses en arrière, les fesses. Voilà. Et hop. Encore plus bas. Ouf. Ça fait mal aux cuisses tout ça. Hein. Encore. Oh lolo. La dernière encore plus bas. Encore plus bas si vous pouvez. Sinon, ne vous arrêtez pas. Faites à la hauteur qui vous convient. D'accord? On s'arrête pas. Et on remonte. On secoue les jambes. On secoue les jambes. Ça va, ça? Très, très bien. Encore, on secoue les jambes. Ça vous plaît, ça, les coups de pied? Allez, envoyez-moi les coups de pied. Bam! Bam! Envoyez-moi les coups de pied. Et attention aux genoux, hein, jetez pas trop fort, ça fait mal. Ça fait mal aux genoux, sinon. Levez la jambe. On lève. On lève. Bam! Encore. Allez, on se défoule. On se défoule. Allez au rythme que vous voulez. Donnez-moi les coups de pied, allez-y. Bam. Encore. Poum. Encore. Poum. Les coups de pied. Ok, on fait les coups de poing. Je suis sûre que ça va vous plaire. Rentrez les fesses.
On s'en fout, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a que vous et moi. Mais j'ai jamais fait de boxe de ma vie, qu'est-ce que vous croyez? Mais pas du tout, mais ça fait du bien de donner des coups de poing. Ça fait du bien au moral, à la tête. Vous serrez les abdos comme ça. Voilà, et puis ça fait bosser vos abdominaux, ça affine la taille et ça fait perdre le gras. Alors allons-y, hein. Pam, pam. Et vous pensez à ceux qui vous ont embêté là cette semaine, les mois précédents ou durant l'année. Allez-y, la défoulez-vous. Bam, bam, bam. Pam, pam. Pam, des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing. Encore, encore, encore. Encore, encore, donnez tout. Des coups de poing, lâchez-vous. Bam, bam, bam. Respirez, relâchez. Et je sens que vous vous aimez bien celui-ci, hein, vous vous donnez à fond. Relâchez, soufflez, soufflez, soufflez. Doucement, on récupère, on récupère. On récupère, on récupère. Ça va, ça? On est reparti, les coups de pied. Les coups de pied. Bam. Bam, les coups de pied. Hop. Hop. Et si c'est plus bas, c'est pas grave, je m'en fiche, mais ça fait des coups de pied quand même. Envoyez-moi les coups de pied, ça vous fait du bien de bouger, de lever la jambe. Oui, ça vous fait du bien. Super. Les coups de poing. Boum, boum, boum. Boum, boum. Direct, droit devant. Droit devant. Des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing. Encore, 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 encore. Vous pouvez aller plus vite, hein? Allez-y, plus vite. Encore, encore. Boum, 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 boum. Allez, 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 plus vite. Encore, 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 encore. Super. Oh, relâche. Ça va? On va faire un petit peu le tipping. Il faut écarter les pieds comme ça, les jambes un petit peu pliées et on va faire des petits pas comme ça le plus vite possible. Vous avez pris une brassière de sport. Je vous ai dit, il faut mettre une brassière de sport. Rentrez-moi ce ventre. Alors, il y a tout qui va trembler. Voilà, on va le plus vite possible. Je sais, ça fait tout trembler. C'est pas grave, on s'en fout. Soufflez, respirez. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez, c'est bien ce que vous faites. Allez, allez-y. Moi aussi, ça tremble de partout. Même si j'ai pas beaucoup de gras, je le sens trembler. Vous imaginez? Alors, si vous en avez beaucoup, on le sent aussi. C'est normal. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. On y va, on s'en fout. On y va. Hi-ha! On s'imagine au Brésil en train de faire de la samba. Non, comment ça? Il pleut, vous avez froid? Moi aussi, c'est vrai que si je regarde dehors, il pleut, il fait froid. On s'en fout. On y va, on y va, on y va. Là. Ouh! 5, 4, 3, 2, 1, c'est tout. Ça va? Et hop, et on reprend les genoux. Et on récupère le premier mouvement qu'on a fait. Vous savez quoi? Il reste 30 secondes et vous aurez fini ces 10 minutes de cardio aérobique. Et vous pourrez être fiers de vous. Hop, le premier mouvement qu'on a fait, c'était celui-là. Ouais. Le mouvement qu'on a fait après, c'était celui-là. Faites avec moi, hein? Après, on a mis les bras en l'air comme ça. Après, on s'est totalement enflammé, on est parti sur le côté. Restez avec moi, hein? Après, on a levé une jambe et tout. On a cru qu'on allait s'envoler dans le ciel. Et c'était génial, c'était un très bon moment. Ça fait 10 minutes. Alors bravo à vous, restez là. Applaudissez-vous! Bravo à vous. Merci de m'avoir suivi. Restez là, on fait un petit retour au calme pour bien récupérer, faire redescendre le cœur, ok? Alors vous êtes ici, c'est parfait. Montez les bras au ciel, comme au tout début. Inspirez, grandissez. Essoufflez, relâchez. Donnez-moi votre plus beau sourire. Hey! Envoyez-moi un super smiley en commentaire si vous avez eu le sourire aux lèvres à la fin de cette séance. Écrivez-le-moi. Je vous en enverrai un en retour avec grand plaisir. On refait celui-ci. Hop, le dos rond et on se dandine un peu. Ça craque un peu au niveau des lombaires. Besoin d'étirer le bas du dos. On a des séances de stretching. Vous tapez stretching. Enfin, c'est pas évident à écrire, je vous avoue. Étirement. On en a plein des vidéos d'étirement. Allez dans la playlist de nos vidéos sur la chaîne Move Your Fit. Voilà. Vous, vraiment, vous pouvez être fiers de vous d'avoir fait cette séance. Tout le monde peut faire du sport. Tout le monde peut perdre du gras. Tout le monde peut faire ça à la maison. On est là, coach diplômé. On peut vous encadrer vraiment depuis la maison. On fait des mouvements qui sont sécuritaires. Soyez bien à l'écoute de votre corps. Si votre médecin vous autorise à faire du sport, vous pouvez faire ces séances sans aucun souci. D'accord? C'est vraiment important de faire du sport pour être en bonne santé. Je ne suis pas la seule à le dire. Évidemment, tous les médecins le disent aujourd'hui. Enfin, faites du sport pour être en bonne santé. Donc, je vous encourage. Bravo à vous si vous avez fait cette séance. Partagez-la sur les réseaux sociaux, sur votre Facebook. Voilà, faites-la connaître pour des amis proches, voilà, de la famille, des voisins, des gens qui ont besoin de faire du sport et qui n'y croient plus. Ok? Ça me fait super plaisir. Restez là, restez là. On fait un dernier petit étirement. On va étirer quand même les cuisses parce que on les a brossées. Comment vous dire? Voilà, donc après cette séance, c'est vraiment important de bien boire.
Voilà, super, on boit. Ok, si vous êtes habitué à nous suivre sur la chaîne YouTube Move Your Feet depuis longtemps et que cette séance vous l'avez trouvée plus facile qu'une autre, eh bien, partagez-la simplement. Partagez-la parce que peut-être que si vous avez partagé une autre vidéo que nous avions fait auparavant, qui était peut-être d'un niveau un petit peu plus avancé, bah partagez celle-ci qui est d'un niveau un peu plus facile pour les autres, pour faire découvrir. Hein, partagez, voilà. Faites découvrir le sport, la santé, que tout le monde ait accès à la santé et au sport gratuitement à la maison. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci de m'avoir suivi sur cette séance. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de m'envoyer un petit pouce like et de m'écrire en commentaire de ce que vous avez pensé de la séance. Et un gros smiley, je vous répondrai avec plaisir. Je vous embrasse, des bisous. Salut, salut !